Et bonjour tout le monde, c'est Arthur Lopil, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle et fraîche vidéo. Et bien entendu, après un retard et extrêmement long, hein, la dernière vidéo que j'ai postée c'était il y a un mois. J'ai même pas été vraiment en ligne sur WhatsApp, ni sur Messenger, encore moins sur Facebook et encore moins sur Instagram. J'ai mis quelques petites vidéos, quelques petites photos je crois, ou bien même que des photos, je sais pas. Je crois que j'ai mis deux photos jusqu'à maintenant. Donc voilà, mais on s'en bat complètement les couilles de ça. Donc en fait je vois lui, sinon j'aurais trop. Et bien entendu, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle fraîche vidéo pour parler de la rentrée qui a commencé il y a 5 semaines. Pour tout vous dire, j'ai eu un retard de 5 semaines, pourquoi? Déjà de 1, l'école a repris, donc qui dit nouvelle année d'école, nouvelle horaire. Et t'as encore moins le temps de faire des vidéos, bravo! Si vous n'avez pas remarqué, donc maintenant, à partir de maintenant, je vais quand même écrire des scénarios. Pourquoi écrire des scénarios? Tout simplement parce que si vous n'écrivez pas de scénarios, vous allez vous retrouver dans la hesse, mon frère. Donc maintenant, j'ai assez entendu pendant ces vacances mon frère, ma soeur, m'emmerder, donc ma soeur me crier dans les oreilles, mon frère ouvrir la porte à chaque minute de la terre, non, chaque minute, et à 24h sur 24, il était derrière ma porte en train de me demander des choses cheloues. Quand tu es à l'école et que tu commences l'école, bien entendu, il dit nouvelle année, qui nouvelle classe, avec élèves, nouveaux élèves, etc. Donc voilà, et puis suivant où, dans cette classe-là, les élèves ne sont pas très bavards. À part moi, quand je suis rentré dans l'école et j'ai parlé avec tout le monde. Tout le monde me connaissait après 2 mois. Et bien entendu, dit donc voilà, on a de nouveau cette odeur de craie, de tableau noir, de bave. Oui, parce que les sarbacanes avec les machins. Et ouais, ah, c'est pas bien. L'odeur de crayon, l'odeur de café, de thé aussi, parce qu'on peut se couler un café, un thé au KLM pendant cette rentrée depuis cette année. Donc voilà, vraiment, ça c'est bien là, ça c'est un bon truc. Merci vraiment beaucoup monsieur le professeur pour ça, parce que vous avez vraiment fait le nécessaire pour avoir une machine à café. Et bien entendu, qui dit rentrer, qui dit aussi sans la merde. Non, je rigole. Oh oui, il y avait une nouvelle règle sinon YouTube. Non, mais c'est vrai que maintenant, ces derniers temps, je me suis dit que la rentrée, ça allait vraiment pas le faire et tout. Mais en fait, pour finir, en fait, j'étais vraiment content de voir tous mes potes que j'avais pas vu pendant les vacances. Parce que soit moi j'étais en vacances et je pouvais pas les voir, soit eux étaient en vacances et je pouvais pas les voir. Bien entendu, qui dit rentrer, qui dit enlignement. Regarder ta montre, je sais pas combien de fois dans l'heure, pour voir si les minutes ont passé. Et d'essayer de prendre l'horloge de la classe et de l'avancer de 10 minutes pour que tu finisses l'anglais un peu plus tôt. Ouais, on l'a fait. Et ça a marché. Wow. Et la deuxième fois, ça n'a pas marché. C'était pas un carton-carton. Hein. J'étais vraiment déçu. Hein. Non, pitié. En fait, notre montre, elle a du retard maintenant. Oui, parce qu'on l'a déréglé tellement, on l'a tellement déréglé que maintenant, ben, elle a du retard. Qui dit rentrée, qui dit nouveau prof, oui, bravo. Et on a des nouveaux profs, oui. Wesh frère. T'as pas une demi-heure de retard par hasard? Ici, on va les couilles. Ah non, une heure en fait. Oh, mais le minou, oh, mais c'est un gentil chat, hein, tu trouves pas? T'es sûr que t'as le droit de les ramener à l'école? On s'en va les couilles. Bon, puis en même temps, c'est mieux comme ça. Hein. Ah putain, t'as vu le nouveau prof de chimie là? Il est complètement fou ce mec. Ouais, c'est un coup de cul. T'as raison, là, mon gars. Non, mais le truc, c'est le pire, c'est je crois le mal. On a la maths, on a pas maths maintenant. Eh bien, j'ai loupé. J'espère que j'ai loupé. Ouais. On a loupé ou on n'a pas loupé? On a loupé. Donc le prof a loupé la leçon. Ouais. Et on va devoir avoir. Oui, merci. Bonjour, bonjour. C'est mieux comme ça. L'évolution. Oh putain, regarde, il arrive. T'as vu son look, mon gars, il est ouais. Trop naze. À fond vous, fou les enfants. Mais t'as vu le prof de maths? Oh putain, tu trouves pas qu'il ressemble à Danny Williams dans White Side Zero? Oh, c'est vrai. Oh, mais sauf qu'il a des lunettes et il est plus vieux. Peut-être vous mangez tous les noms. Ben non, ouais. Non. Vous, ça fait comment? Trop de cul. Monsieur, vous connaissez, vous êtes le pitre et vous êtes trou du cul. Non, c'est Arthur le pitre, pas Arthur le trou du cul. Non, mais lui, on voyait, c'est trou du cul. Hein. Alors, aujourd'hui, on va vous apprendre à faire des mathématiques. Première rentrée, hein. On a la rentrée. Alors, on va faire des mathématiques. Comme des multiplications.
Oh putain, ce gars a dit multifacation. Multifacation, monsieur, ça le dit. En anglais, ça veut pas dire. Je. Fuck. Multifacation. Oui. Oh, enculé à plusieurs reprises dans le trou de cul de l'insondomie. Acteur de porno, monsieur Danny Williams. Moi, multifacation. Vous voyez, j'aime bien les trucs porno, mais c'est qu'au garçon, faut que vous disiez. Je regarde tous les soirs tout le tournoi. Hein. C'est pas. Non. Si. Putain, ce gars, c'est trop impérieux, non. Putain, qu'est-ce qu'on va apprendre avec lui. Putain, ça me fait trop peur, ça m'empêche. Oh putain, j'ai encore ces putains d'algèbre là. Non, mais là, vraiment, quoi. En plus, tu sais que j'ai oublié mon agenda là. Hey, il est mignon ton chat, je sais. Bonjour, 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 bonjour. Oh regarde, putain, putain, qu'il a l'air d'un cognouf. Ouais, un cognouf, avec son chapeau là. Bonjour. Et tu trouves pas qu'il a l'air d'un cognouf, il a un peu l'air d'un cognouf là. Ouais. Oh, bonjour. Ouais. Ouais, bonjour. Alors, c'est le premier jour, on fait de la géographie. Comme la Terre est grande, si vous savez. Ah non, 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 je le savais pas, monsieur. Elle est ronde. Attends ta bite. Oh. Hé, hey, t'es bon, ce clash, non. Oh, 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 oh. Ok, c'était pas drôle. Alors, je vais t'apprendre. La Terre est ronde. Alors là, vous avez... Alors, on va chercher un pays. Ben voilà. Ah, l'Italie. Ouais. L'Italie, c'est... L'Italie. Ok. C'est vers l'Europe. Ok, bah, on s'en bat les couilles. Non, l'Italie c'est en Asie, tout le monde le sait. Oui, parce qu'il y a Italie, Asie, c'est avec un I à la fin. Italie. Et... Continuez, monsieur. La Russie, grand pays énorme. Sarajevo. Continuez, ouais, continuez. Hein. Mais vous nous faites un peu chier avec vos planètes là, je crois que je me casse. Ce gars, il est fou. Hé Thomas, va pas faire trop la merde là d'ailleurs. Hein, ouais. Bonjour les élèves, nous allons aujourd'hui consacrer notre vie à la science là. Parce que là... Ok, non, mais c'est fou ce mec. Il est Einstein. Nous allons construire un revolver. Regarde maintenant avec son pistolet. Putain, mais d'où on peut prendre un pistolet? Et mon gros fusil que j'ai à la maison, hein. Et nous allons faire une expérimentation avec des piles. Ouais, ce mec... Ouais, ok. Il y a un problème, ce mec. Oh, ok, t'as tout avec toi. Thomas. Ok, Maurice. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ok, qu'est-ce que ça fait si nous pouvions... ok. Comment on peut faire un pistolet? Est-ce que vous le savez? Ce gars, il est fou. Non. Mais vous êtes moche. Ah d'accord, non, ça je le savais. Comment est-ce qu'on peut faire un pistolet avec un matériel? Du chocolat? Non. Non, 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 non. Non, non, très faux. Alors, comment tirons-nous avec un pistolet? Voilà, non, non, nous faisons comme ça, voilà, ensuite on vise bien en deux. Je me sers juste. Allez-y seulement, voilà, allez là-bas. Comment on tire avec un pistolet? Comment nous faisons pour tirer avec un pistolet? C'est très simple, nous faisons comme ça et après nous faisons. Oh putain, là, il n'y a pas de se tirer de balle là? Oh, je sais pas, qu'est-ce que c'est illégal là de tirer sur les gens? C'est pas bien? Hé Thomas, viens, on se casse, c'est trop... Mais c'est de la merde, viens, on s'en fout. YOLO les gens. YOLO monsieur. Oh ce gars, putain, il a dit YOLO, tu trouves pas qu'il est un peu chelou là? Yeah man. Ouais, chelou ce mec, comment il parle? Mais non, c'est en fait, il est trop bien. Oh, ouais, mais un prof comme ça, on a pas toujours. Ouais. Alors bonjour, j'entends qu'on vous apprendre tout la situation. Eh monsieur, on peut jouer à CSGO ou... Sauf ça, il peut jouer au CSGO, vous t'abattez que... Alors, on peut commencer. Monsieur, on peut pas jouer à CSGO ou bien... T'es con, bon, t'as mal les couilles, on joue à des jeux vidéo. Vous êtes d'accord avec moi?